cosmos ébranlé, pulvérisé. Le soleil, la lune, les étoiles. C'est notre cosmos intérieur. Le cosmos est en nous. Et la fin des temps nous concerne maintenant. Et cette fin des temps est vécue par chacun d'entre nous. Au niveau de sa vie ordinaire, on retrouve dans ce monde, chez les hommes, ce sentiment d'absurdité. Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage et on oublie la voix. Le cœur, quand ça ne va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Il faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs s'attachent de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie les passions et on oublie les voix. Il vous disait tout bas des mots, des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, va tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard. Et l'on se sent floué par les années perdues à l'enfermement. Avec le temps, on n'aime plus. Avec le temps, on n'aime plus. Cette expérience, ce poème, ce chant, est révélateur de cette détresse, de cette expérience qui habite chaque homme, qu'il soit religieux ou pas. La fin des temps nous attend. Comme l'horloge, vous savez, au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Alors si le Christ annonce la fin des temps, c'est pour sortir de cette misère du temps qui passe et qui nous use tous. Le Chronos, le grand dévoreur des peuples, lui avec le temps va, tout s'en va. Et en fait, le Christ nous appelle à redresser la tête. Quand vous verrez ces signes, dit-il, redressez la tête, votre délivrance est proche. Nous ne sommes pas appelés à une vie de confort, une spiritualité de confort. New Age. Nous sommes prévenus. Et ce n'est pas une punition. C'est normatif, c'est pour nous sauver du temps. Nous sauver de cette attente inutile, de ce chronos. Et en fait, nous sommes appelés à prier que ton règne vienne. Être libéré des limitations qui définissent notre état actuel, celui de l'espace-temps. Le Père, la source, subsiste par lui-même et n'est conditionné par rien.
Il détermine tous ces états dans lesquels nous sommes. Rien n'est au hasard. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à retrouver cette source dans ce rayon céleste, cette verticalité. Pour avoir la possibilité de revenir au centre de quoi ? De la croix. Revenir au centre de la croix qui est le point de croisement de la présence du Père et de notre vie manifestée dans ce monde de l'espace-temps. Cette manifestation humaine et corporelle. Et ce point, c'est le kairos. L'instant. L'instant qui est hors du temps et cependant dans le temps. Alors cette expérience, dans la fin des temps, cette expérience de ce kairos, c'est la véritable connaissance. Tout le reste passe, tout le reste passe. Seule demeure cette expérience fulgurante qui nous libère, comme disait Durkheim, de toutes nos conditions de vie. C'est un maître hindou qui s'appelle Shankaraya qui disait « Il n'y a aucun autre moyen d'obtenir la délivrance complète et finale que la connaissance. Seule, celle-ci détache les liens des passions. Sans la connaissance, la béatitude ne peut être obtenue. » Cette expérience-connaissance dissipe l'ignorance, comme la lumière dissipe les ténèbres. Voilà, il nous reste donc, dans les conditions qui sont les nôtres, aujourd'hui, dans ce monde si bien décrit dans le début de l'Évangile, il nous reste à créer les conditions du kairos, n'est-ce pas ? Les conditions qui nous sont offertes à chaque moment où nous cessons de réfléchir et où nous prenons le temps de goûter l'instant. Car l'instant est toujours le même. Paix, joie, quiétude. Non ? En dehors de cette expérience, nous sommes dans le chaos du mental. La qualité de l'instant ne change pas, car notre être profond ne change pas. Et au plus profond de ce chronos ténébreux qui est le nôtre aujourd'hui, brille la lumière de ce kairos essentiel. Voilà, alors pour goûter cet instant, ce kairos essentiel au sein de ce chronos ténébreux, il faut nous exercer. Et peut-être déjà avant tout, ne pas louper le kairos éternel au sein d'un chronos qui peut lui aussi être lumineux. Est-ce que je prends le temps de goûter la fin des temps ? Est-ce que je prends le temps de goûter la fin du temps ? Et toutes les occasions, je dirais, sont bonnes. Nous avons sur notre route chacun et chacune au milieu des ténèbres, au milieu de nos souffrances, de nos difficultés. Nous avons tous sur notre route des oasis, des moments de grâce où nous sommes appelés consciemment à goûter ce moment et peu à peu à s'enraciner pour peut-être
arriver à être, comme dit le forum de Terre du Ciel cette année, debout dans la tempête, que son règne vienne et que sa volonté soit faite.